Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Encore une fois sur notre chaîne Je Communique TV. Avec vous, Monsieur Zebdalel, je vais vous expliquer maintenant quelques activités. Communication progressive du français avec 270 activités destinées uniquement pour les adolescents, les faux adolescents et aussi les adultes qui ont un niveau de français un peu passable et qui aimeraient bien sûr améliorer leur façon de communiquer. Alors ces vidéos, si vous voulez bien les partager, sera mieux. Si vous êtes nouvelle ou nouveau ici dans notre chaîne, il vaut mieux de vous abonner. N'oubliez pas aussi de cliquer sur like et ajouter des commentaires. Et pour avoir plus de vidéos, il faut tout simplement cliquer sur la cloche. Merci. Alors, suite aux demandes des fans de Je Communique TV, on veut faire la correction de deuxième cours de communication progressive du français, parler des quantités. Voilà donc la situation de communication au marché. Alors le marchand avec la cliente. Bonjour madame, vous désirez. Bonjour madame, vous désirez. Je voudrais 1 kilo de tomates. Je voudrais 1 kilo de tomates, 2 courgettes et 1 poivron vert, s'il vous plaît. Voilà, madame. Et avec ceci, je vais prendre aussi, 4 pommes. Une livre de fraises. Voilà, ce sera tout. Non, je voudrais aussi un peu de persil. Bonjour madame. Bonjour madame. Vous désirez? Je voudrais 1 kilo de tomates, 2 courgettes et 1 poivron vert, s'il vous plaît. Voilà, madame. Et avec ceci, je vais prendre aussi 4 pommes et 1 livre de fraises. Voilà, ce sera tout. Non, je voudrais aussi un peu de persil. Je voudrais aussi un peu de persil. Alors, on va faire la correction de cette situation de communication. En marché, c'est pour tout de suite. D'abord, je vais vous expliquer les activités. Je vous laisse bien sûr le temps de les effectuer. Et après, on va corriger ensemble. D'accord? Voilà, suivez la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre. Maintenant, explication des activités. Parler des quantités numéro 1. Alors pour la première activité, c'est vrai, après avoir lu le dialogue, il vaut mieux de répondre à ces 4 propositions. La cliente achète seulement des légumes, est-ce que c'est vrai ou faux? Les pommes sont des légumes, vrai ou faux? La cliente achète 500 grammes de fraises, vrai ou faux? La cliente achète une aire, vrai ou faux? Vous avez ici 4 types de propositions. La question, est-ce que c'est vrai ou faux? Il faut lire d'abord le dialogue, comprendre aussi et répondre facilement. Ici, c'est partie de grammaire. Il faut compléter par soi-disant 2 ou 2 apostrophes. 1 litre, eau, 1 kilo, 40.
Oui. Alors, soit 2, soit 2 apostrophes. C'est vraiment facile. Alors, il faut compléter par des articles indéfinis. Il faut compléter par un, une ou des. D'accord? Ensuite, dites ensuite si c'est un fruit ou un luxe. Vous êtes chez le marchand de fruits. Voici votre liste. Faites des phrases pour demander les produits suivants. Vous avez ces poivrons, 2 articles. Pommes, 6 articles. Cerises comme quantité, 1 kilo, 1 kilogramme. Haricots verts, 500 grammes ou une livre de haricots verts. Tomates, 12 articles. Et à la fin, ici, il faut remettre le dialogue dans l'ordre. Vous savez, ici, 1, 2, 3, 4. Il faut remettre le dialogue dans un bon ordre. 1, 2, 3 et 4. Alors, je vous laisse bien sûr réfléchir un moment. La deuxième partie de cette vidéo sera consacrée pour la correction. Alors, si vous êtes nouveau ou nouvelle, vous pouvez vous abonner dans notre chaîne Je Communique TV. Si vous aimez bien sûr ces vidéos, vous mettez des likes, des commentaires et aussi partagez la vidéo partout dans le monde. Si vous voulez bien sûr de nouveautés à chaque fois, vous cliquez seulement sur la cloche. Alors, parler des quantités, voici les activités. Correction. Vrai ou faux? On dit la cliente achète seulement des légumes. C'est faux. Elle achète aussi des fruits. Les pommes sont des légumes. C'est faux. Les pommes sont des fruits. La cliente achète 500 grammes de fraises. Oui, c'est vrai. La cliente achète 500 grammes de fraises. Oui, c'est vrai. 500 grammes, ça veut dire une livre de fraises. La cliente achète une herbe. Oui, c'est vrai. C'est le genre de persil. Alors, compléter. Alors, on dit 1 litre d'eau. Un litre d'eau avec des apostrophes. 1 kilo de carottes. Une bouteille d'huile. Beaucoup d'oignons. Une livre d'abricots. Un paquet de sucre. On dit 1 litre d'eau. 1 kilo de carottes. Une bouteille d'huile, beaucoup d'oignons, 1 livre d'abricots, un paquet de sucre. Alors il faut compléter par un, une ou des. Dites ensuite si c'est un fruit ou un légume. Par exemple, des fraises, une carotte, un poireau, un citron, un poivron. Des cerises, un oignon, une poire, un chou-fleur. Alors voici les fruits, fraises, citron, cerises, poire. Et les autres, ce sont des légumes, comme chou-fleur, comme oignon, comme poivron, comme poireau, carottes, etc. Pour quatrième activité, vous êtes chez le marchand de fruits. Je vous propose bien sûr la liste. Il y a poivron 2 morceaux ou 2 articles, pommes 6 articles, cerises 1 kilo, haricots verts 500 grammes, tomates 12 articles. Alors, tomates 12 articles.
Pour haricots verts, on dit 500 grammes, ça veut dire 1 livre de haricots verts. Cerise, 1 kg de cerise. Pomme, 6 articles de pomme et poivron, 2 articles seulement. Vous pouvez utiliser, s'il vous plaît, ici, cette liste sur 1 kg de 1 livre de 4, par exemple, une douzaine, 1 litre, 1 demi-litre, etc. Et pour finir, voici donc remettre le dialogue dans l'autre. Alors pour finir, on termine par 5e activité. Remettre le dialogue dans l'autre. Voilà monsieur, et avec ceci, je voudrais si pêche 1 livre de cerises, s'il vous plaît. Bonjour monsieur, vous désirez, sera tout, merci. On dit bonjour monsieur, vous désirez. Bonjour monsieur, vous désirez. Je voudrais 6 pêches et 1 livre de cerises, s'il vous plaît. Voilà, monsieur, et avec ceci. Sera tout, merci. Voilà. Je répète. Bonjour, monsieur, vous désirez. Je voudrais 6 pêches et 1 livre de cerises, s'il vous plaît. Voilà, monsieur, avec ceci. Sera tout, merci. Voilà. Alors c'est tout pour le moment. La prochaine fois, je vous propose d'autres activités avec correction. Alors si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner. Mettez des likes si vous aimez bien sûr ces vidéos. Ajoutez des commentaires. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. C'est avec vous, monsieur Sabdala de la chaîne Je Communique TV. À la prochaine vidéo. Je vous propose bien sûr d'autres activités avec correction.